À l'occasion de la Paquinou Éclaté 2022, la société de brasserie Brassivoire, avec Ivoire, sa marque de bière brassée en Côte d'Ivoire, a accompagné des initiatives culturelles. Le partenaire de la culture ivoirienne a pris la place qui est la sienne lors de la célébration de la Pâques 2022, aussi appelée Paquinou, en terre ivoirienne pour désigner les festivités liées à Pâques, en marge de la fête chrétienne. L'information a été donnée dans un document dont l'Infodrome a reçu copie, lundi 18 avril 2022. Ivoire Cro. Différentes activités de la marque de bière ont eu lieu dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. L'ensemble des espaces aménagés par la société de brasserie et ses partenaires ont été surnommés « Ivoire Cro ». Dans le Vébaoulé, les festivités concentrées ont tenu leurs promesses, notamment à Toumodi avec « Paquinou et Kloliké », la capitale politique Yamoussou Cro avec « Paquinou Ngoa », ainsi que « Paquinou à Konankan Cro », dans le Gbeke précisément à Bouaké. Yopougon, Koumassi et Anono ne sont pas restés en marge de cette fête de Paquinou éclatée, à Abidjan. Yopougon, Koumassi et Anono ne sont pas restés en marge de cette fête de Paquinou éclatée. Ces lieux ont respectivement accueilli le week-end pascal de Niangon, l'événement Paquinou obligé et le Paquinou festival. L'ambiance était au rendez-vous. Pour la marque de bière, l'objectif était de brasser un monde meilleur, de favoriser l'épanouissement des communautés à travers la valorisation de leur culture. Laurent Théodore, directeur général du brasseur de la bière à base de fine brisure de riz, a indiqué qu'il s'agit d'un engagement auquel tient cette filiale ivoirienne du groupe Heineken. L'appel de la culture. Laurent Théodore a justifié cet engagement. Tant que faire se peut, la marque répondra à l'appel de la culture. Paquinou est devenu un rendez-vous culturel incontournable non seulement pour les peuples du centre de la Côte d'Ivoire mais aussi, pour les populations ivoiriennes dans leur ensemble, a-t-il déclaré. Lire aussi religion, le sens de la célébration du Triduum Pascal. Le directeur général a ajouté, au-delà de sa composante festive, c'est l'occasion pour certaines communautés de se retrouver pour parler développement. En tant que partenaire de la croissance ivoirienne, le fait d'être un peu partout dans le pays est pour nous une façon d'apporter notre modeste contribution à cette dynamique de développement déjà à l'échelle locale. Notons que d'autres produits du brasseur étaient de la partie pour rafraîchir le public lors de ces grands shows avec des artistes en vogue du moment.